Devenez le maître Pokémon. 50 ans. J'arriverai au bout du parcours. Je trouverai la force et le temps. J'aurai demi-tour, même si le risque est grand. Je sais à maîtriser tout au bout du chemin. Les Pokémon que j'ai croisés, je détiens le pouvoir dans ma main. Nous vivons dans un monde de Pokémon. Pokémon, chaque jour qui passe, défis à relever. Chaque jour qui passe, dans un monde de Pokémon. J'ai trouvé que personne ne peut m'égaler. Il faudra devenir le maître Pokémon. 50 ans, dans un monde de Pokémon. Chaque jour qui passe, je dois me faire relever. Yes, nouvelle intro, les amis, allez, let's go, générique. Hey les amis, c'est Yoshikira et bienvenue dans le 29e épisode de Pokémon version Prisme. Comme vous avez pu le voir, l'introduction a changé. Non, ce n'est pas la mise à jour, c'est suite à la Ligue Pokémon, donc ils ont changé le générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien. De ma part, ça va super. Donc, la petite modification d'équipe, j'ai sorti Arcana, j'ai rajouté le Salamèche, donc qui est maintenant Koda, le Dracaufeu. Donc, il est juste niveau 66 parce que les autres sont bien au level. Donc, Pikaprout 76, Udini 75, Colouse 75, Duchesse 75 et Marathon est devenu Maratank comme je vous l'ai promis, donc niveau 79, et nous sommes donc à Carmin-sur-Mer pour voir Green pour se rendre aux îles Sévi. Donc c'est parti, let's go, si on se plante pas dans le chemin. Alors, bonjour petit marin. Voilà, c'est parti. Hey, salut, je ne pensais pas que t'arriverais aussi vite. Alors, ça fait quoi d'être maître? C'est cool, non? Ouais, c'est cool. Ta mère t'a sûrement fait passer mon message. Je voudrais t'amener faire un peu de tourisme chez moi. Je suppose que tu vas bientôt partir te faire connaître dans une autre région. Alors, autant prendre un peu de repos, non? Et puis, de toute manière, je te demande pas ton avis. Haha. Bon, d'abord, je dois passer chez moi sur l'île 3. Je dois déposer mes affaires. Mes parents devraient être là-bas. Abstiens-toi de me narguer parce que tu m'as battu. Sinon, je te jette par-dessus bord. Ça marche. C'est bon, nous pouvons partir dès maintenant. Allez, on embarque. Donc, on re-embarque dans l'océan pour la deuxième fois. Mais bon, là, c'est plus rapide. Oh, les musiques originales du jeu. Ça fait bizarre de les entendre. Et voilà, nous sommes sur la superbe, cool île 3. Je t'attendrai chez moi. Ma maison est la première que tu verras une fois dans le village. À tout de suite. Ok, mais on va se balader. Écoute, on a une grotte. J'ai la trouille de m'aventurer là-dedans. Très bien, si t'as la trouille de t'aventurer là-dedans, on va pas s'y aventurer. Donc, île 3. La première maison qui est un gros Pokémon. Non, je plaisante. Ok, on va voir aussi un petit truc tant qu'on y est. Hop là. Sac. Par rapport à la carte, qu'est-ce que ça donne du coup? Hop là, utiliser. Ok, donc nous sommes sur l'île 3. De l'île 3, on a le bois B, multivers, ancien pré. Ouais, c'est cool. Donc les îles sont dessinées, c'est comme vous avez pu voir sur le nouveau générique. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression qu'il y a de la Team Rocket cette fois-ci et pas de la Team Infini. Donc la première maison, c'est celle-là. Enfin, on verra bien ce qui va se passer. Alors, bah, y a pas ses parents, t'es toute seule, t'as pas d'amis. C'est bizarre, je pensais que mes parents étaient à la maison. Je me demande bien où ils ont dû partir. Green. Que se passe-t-il? Tout va bien? Ce sont tes parents. Je les ai vus s'enfuir vers le bois B pour échapper à des gens étranges habillés en noir. Quoi? Il faut que j'aille les aider. Yoshikira, je fonce au bois B. Mais on va y aller ensemble. Ne pars pas si vite. Oh là là. Bon, ben allons au bois B, hein, je sais pas par où c'est, il y a peut-être des dresseurs et tout sauvages. Donc ouais, sur la carte c'était sur la gauche, donc. Alors, on va se faire aggro dès le début. Allez, c'est parti, Pendulien. Tu sens comme la nature nous entoure, je crois qu'elle veut dire un mot. Ouais, moi je voulais pas me battre, je voulais me rendre au bois B. Ok, c'est parti, let's go, premier combat. Donc comme vous avez aussi pu voir sur le layout, les badges de Kanto sont passés en dessous. Herbizarre niveau 63, ben c'est parfait.
Regardez pour Coda, c'est cadeau. Pouf, canicule. Et on a un air bizarre cramé. Voilà, sachant que donc j'ai mis le 1, 2, 3, 4, le charbon qui était arcana à Coda. Boostiflore, oh bah, c'est super. J'ai bien fait de pas trop le XP non plus. Hop, canicule. On verra sur les Pokémon sauvages ce qu'on peut croiser. Peut-être des bulles bizarres, air bizarre. Des starters, ça serait cool. Bon, je sais que c'est que non, mais je persiste, ça serait cool. Jolie fleur. Oh. C'est satané Pokémon plante. Ah, oh, tu rates ton attaque, saleté. Passeport toi aussi. Ok, allez hop. Merde, je me suis planté d'attaque, je voulais faire vol. Tempête verte. C'est une chatouille. C'est une chatouille. Pour perdre de l'attaque SP, allez, vol. Passeport. Haha, tu t'es loupé. Mais Coda, tu fais n'importe quoi. Tu veux pas que je te remplace de nouveau avec Arcanin quand même. Faut pas déplorer. Ah, quand même. On va essayer de garder un maximum de canicule quand même, faut pas abuser. Ok. Et du coup, oui, j'ai mis Coda parce que voilà, c'est Dracaufeu, il peut apprendre vol, c'est un starter. Il est cool, il est badass, il est puissant. Et au lieu de changer à chaque fois dans le PC pour avoir un Pokémon qui fasse vol, ben, j'ai au moins Dracaufeu sous la main. Donc, premier Pokémon de zone, qu'est-ce qu'on a hein? C'est une fleur transient. Oui, oui, oui. On va faire un petit Dracogriffe car je l'ai pas chez Tiflore. Et comme je vous ai dit, je capture tous les Pokémon que je n'ai pas, mais je le rush KO, donc c'est tant pis, ça sera pour une prochaine fois où je tenterai une hyperbole du coup. Ok, bon, c'est parti, on continue à s'avancer. Ah non, me dites pas qu'il va falloir coupe. Non, j'ai pas l'impression qu'il va falloir coupe, c'est juste un petit raccourci. Ah non, là, c'est retourner sur les vieilles CT, reprendre Ratiboxy. Oh, persillant, 29, très bien. Bon, allez, hop, fuite. Hop là. Oh, par contre, ah, merde. Bon, par contre, je suis un petit peu dégoûté, je voulais lancer une nouvelle série. Merde, du coup, je croise. Hein. Mais malheureusement, voilà, mon PC est assez pourri pour cette nouvelle série qui était le TRC. Donc, je voulais le faire sur noir, le layout était prêt, j'ai fait des tests. Et malheureusement ça n'a pas marché, mais vous inquiétez pas, comme vous avez pu le constater vu que c'est l'épisode de vendredi, mercredi, il y a une autre nouvelle série qui est apparue logiquement car je ne l'ai pas encore tournée, mais je vais le tourner là dans pas longtemps. Gros doudou, hop là, on va faire un petit canicule, qui est sur Dofus Touch, donc j'espère que ça va vous plaire, donc on fera plein de donjons et tout. Bon, je vous expliquerai le tout dans la vidéo, et sinon le lien sera là si la vidéo sort, voilà. Voilà, un peu de nouveauté sur la chaîne parce que rester que sur Prisme, c'est bien. Mais au bout d'un moment, ça lasse un peu certaines personnes, je me doute bien. Donc, faut que je varie un petit peu cette chaîne. Puis, comme je vous ai dit, on est un peu sur la fin de Prisme. Allez, frappe à classe. Bon. Picapout, tonnerre. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, j'ai toujours ma peine d'internet. Et ça, c'est mon internet à l'heure actuelle, je sais pas si vous le voyez, voilà. Donc c'est assez chiant. C'est pas mon téléphone, c'est un petit boîtier Wi-Fi. Je raconte un petit peu ma vie, je sais. Ok. On a battu élève Aurélie, nickel. Hop. On évite les autres. Boom. Heureusement qu'il n'y a pas un chrono et tout. Mister 28. Bon, Dracogriffe avant Corture. On va tester. Donc, hop là. Sac. On va tenter directement l'hyperbole. 1, 2, 3. Capturé. Très bien. Bah, on a Mister déjà. Les amis, c'est cool. Dans l'île 3. Et du coup, Mister. Que nous dit le Pokédex? Ce Pokémon grandit en absorbant la lumière de la lune. Comment je vais t'appeler? Voilà, on va l'appeler Moonlight. C'est assez cool, c'est bien, c'est tranquille. Hop là, Moonlight est envoyé au PC. Allez, encore un Pokémon. Si c'est le Chétiflore, on va faire pareil. Non, persillant, on s'en fout un petit peu. On s'en bat les boobs. Ok, let's go, Ibetou, mais laissez-moi avancer, bon sang de Banzai. T'as compris, persillant. Mais j'ai déjà du chess, désolé.
Allez, on y croit, on se foire pas le petit saut cette fois-ci. Ah non, c'est là. Hop, sans coup. Oh, encore ? Décidément. Mais je t'ai déjà. J'ai même le aquaquac, si j'y pète bêtise. C'est un Pokémon haut et dangereux pour mon Koda. Mais j'essaye de descendre. Ah, un boosty, bon, ok, pour un boosty flore. Oui, petite imitation du boosty flore. Allez hop, sac. Mais oula, non, pas la Master Ball. Faut pas abuser non plus. 1, 2. Suggestif, ok. Bon, on va essayer Dracogriffe si on le tue pas. Eh non, on le tue quand même. Donc Koda est quand même assez puissant et j'ai aucun de mes Pokémon qui peut prendre 1, 2, 3, 4. C'est la CT, du coup, hop, c'est faux charge, voilà, CT 54, j'en ai aucun qui peut la prendre, et ça m'attriste un peu, parce que pour les légendaires, faux charge, c'est bien. Hop, on fait petite esquive de dresseur à gauche, à droite, hop, et on arrive au bois B, ok, au bois B, qu'est-ce qu'on va faire au bois B, mon gars? Attention, on va s'y perdre, je le sens, on a un dresseur, donc on va faire tac 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 tac. Je sais pas par où je passe, j'improvise, il va falloir que je fasse surf là-haut, j'ai l'impression. Allez, on a quoi au bois B? Des orchides. Oh, bon, on a Misterbe, on va le faire évoluer. Il me faudra juste une pierre soleil pour avoir jolie flore. Oh, j'aurais dû peut-être en prendre un deuxième, du coup, on verra plus tard. Alors le chemin, on est calme, hop, il faudra passer par là, hop, hop, hop. Hop, c'est bon, il ne nous a pas vu, on trace, c'est bon, on est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme Pokémon? Un Orchide. Bon, allez, on va essayer de le capturer, Orchide. Allez, sac, tac, 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 hyperbole, on l'attente. 1, 2, ça y était presque, méga sensu, vilain. Soleil, c'est bon, Orchide est attrapé, donc lui ça sera peut-être Jolie Flore ou je sais pas encore, on verra bien. Donc on a Moonlight et... Hop là. Voilà, on va l'appeler Burky, ça marche tout aussi bien. Hop là, Moonlight, Burky, hop là, allez on continue, on va mettre un Max Repousse je le pense. Qu'est-ce que c'est là-haut? Non, on n'a rien. C'est... c'est la texture des arbres en fait, un peu auto. Ah, on a de la visite en haut à gauche. T'as été pris dans mon filet. Et oui, mais tu vas être cramé par un draco feu, mon gars. Et après, donc ouais, on va mettre le Max Repousse après ce combat. Scout Pierre. Ok, FC466. Oh, intéressant, intéressant. Ok. Allez, canicule, logiquement, salaud HKO. Logiquement. Ok, voilà, c'est super efficace, mais oui, mon frère. Très bien. Scarabrut. Eh bien, on va pas s'ennuyer avec. Paf, paf, canicule. Et on va terminer avec vol, comme tout à l'heure, si c'est encore un Pokémon insecte. On a un petit Dardanian. Allez, Scarino. On voulait-vous appeler notre Pokémon, non? Alors, Scarino, insecte, combat. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup d'ailleurs. Allez, vol. Voilà, close combat. Allez, 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 le HKO. Oui, c'est bon. Comme quoi, il faut pas avoir forcément des Pokémon haut level. Voilà, 67. On a battu Scout Pierre. Très bien. Tac. Alors, sac. Sac, 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 sac. Déjà, paf. Max Repousse, utilisé. Allez, petite potion max pour Koda, ça va lui faire du bien. Et on va voir de suite ce qui se trame de l'autre côté. À gauche, on a un dresseur. Hop, voulez-vous faire surf? On va faire surf. Hop.
Obligé d'affronter le dresseur, j'ai pas envie. Tu as marché sur une fleur? Non! Doucement, la fillette. Oh là là, aroma Natacha. Florizard. Décidément, vous êtes que des cadeaux pour mon petit Florizard. Mon petit Dracofeu, pardon. D'ailleurs, moi je dis de la merde. Bon, par contre, je vais plus avoir de canicule à cette vitesse. Donc on va faire des attaques de type vol. Du coup, on va garder les trois canicules qui nous restent, à moins que c'est vraiment des gros pokés qu'il nous propose Meganium. Non, change pas. Bon, je pense que le dernier, c'est Junko. Starter de 1, 2, 3, G. Oh, désolé. Hop là. Allez, allez, allez. Rune Protect. Oh, mais tu vas pas commencer. Voilà, c'est super efficace. Normal, mon frère, t'as vu. Et dernier Junko. Voilà. Allez, oui, on va changer pour Junko. On va envoyer Colouse. C'est risqué, comme d'hab. Mais un petit Crogivre, c'est pour le bien. De toute façon, je réduis son attaque. Hop là. Tempête verte, voilà. C'est le seul risque que je peux avoir, c'est ça. Parce que ça fait quand même très mal. Allez, allez. Ah, oh, il est plus rapide que moi, Junko. Heureusement que Tempête verte, ça baisse l'attaque SP. Super efficace, ok. On va faire paf, potion. Oh, mais j'ai de l'huile, ok. Guérison, paf. On utilise sur Colouse. Tempête verte, logiquement ça devrait plus faire grand mal. Et on va terminer sur un vibre obscur. Toujours plus rapide, mais de moins en moins mal. Ok, voilà. On va donner lui à Koda du coup. Pour qu'il ait ses canicules à fond. Voilà, on joue tranquille, on se prend pas la tête. Hop là, de lui l'utiliser sur Koda. Donc sur canicule. Les PP sont restaurés. Nickel Gisèle. Let's go. Ok. Cinématique. Très bien. Je vais répéter. Homme en noir. Dites-nous, et l'entité, une, vous allez avoir de gros problèmes. Nous ne savons rien, je vous le jure. Assez, je vais devoir employer les méthodes différentes. Je suis sûr, c'est la Team Rocket. Et que nous avons là? Un petit fouineur, très bien. Tu vas pouvoir nous être utile. Tu vas souffrir par la faute de ces idiots. Arrêtez, ne lui faites pas de mal! Ferme-la! Je vous interdis à toucher mes parents! Voilà, c'est Green. Donc oui, bon, ça, je m'en doutais. Regardez qui voici. Serait petit. Serait peut-être la plus bavarde que tes parents. Tu essayes peut-être de nous faire peur, mais nous avons plus la trouille de notre boss. Alors comme ça, vous êtes de retour. Vous allez payer tout ça, Yoshikira, je prends la fille. Je vais t'apprendre ce qu'il en coûte de fouiner dans nos affaires. Voilà, donc c'est le retour de la Team Rocket. Donc si j'ai bien compris, ils sont de retour par défaut. Exactement, un type en noir, un Arceralto. Très bien. 68. Très bien, on va commencer par un petit bout de feu, tranquille. On va se prendre un petit dégât de recul, mais c'est puissant. La mer, même pas mal. C'est quand même un petit peu. Hop, Dracogriffe. Le retour de la Team Rocket. Yes, ça c'est cool. Avec une nouvelle musique pour la Team Rocket. Nostanfer. Oui. Allez, on switch. On envoie Picaprout. Ah, n'empêche, la musique est cool. Oh merde. Ça allait trop vite. Voilà. C'est pas ça que je voulais faire, la mer. Ça devrait pas me faire grand chose, voilà. Hop là, tonnerre. Nostanfer. Ça, c'est un Pokémon que j'aime bien. Il est pas très beau, mais j'adore. Il est très rapide et très puissant. C'est super efficace. Yes!
Désolé, je fais que bailler. Petit pain noir. C'est une blague ou quoi? Ben non, ce n'est pas une blague. Bande de sales gamins, vous ne pensez pas que vous en tirerez aussi facilement? Merci d'être venu aussi rapidement. Faites gaffe, il y a des Pokémon sauvages. Nom d'un can... Nom d'un caninos! Mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Ils cherchent l'entité... Ils cherchaient l'entité une. Qu'est-ce que l'entité une? L'entité une? Mais ça fait presque 12 ans qu'on l'a pas vue. Alors c'est peut-être Mew, l'entité une, ou Mewtwo. Hein? Ah. Pardon, Yoshikara. C'est vrai, tu ne dois pas tout comprendre. Il y a maintenant 12 ans, deux Deoxys sont apparus sur l'île Sévie. L'un... Les entités 1 et 2. Oh, Deoxys! La Team Rocket, organisation criminelle, a tenté de les approprier. Cependant, nous avons réussi à les battre. L'entité 2 est ensuite partie à la recherche de la première rejetée par la Team Rocket, car plus faible. Ah, c'est salaud ça! Un Deoxys est apparu il y a quelques jours et la Team Rocket l'a pris et ils sont certains que c'est l'entité 1. Dans ce cas, il faut que nous retrouvions la Team Rocket. Yoshikira, voici une très bonne occasion pour toi de visiter. Je vais retourner fouiller Kanto. Toi, tu t'occupes des recherches des différentes îles, ça t'aura... Ok, bon, on va faire donc des recherches sur les différentes îles pour capturer donc un petit Deoxys. Ça, c'est cool. Un passe-prisme. Très bien, mais ça va être la nouvelle quête pour ce nouvel épisode. Et on se dit donc rendez-vous, si je dis pas de bêtises du coup, lundi. Pour l'épisode 30, on se tient au courant pour à la quête du Deoxys. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Donc, on découvre déjà l'île Sévie, donc par l'île numéro 3. Et on va continuer petit à petit notre petit chemin pour découvrir ce fameux Deoxys, alias l'entité 1. En tout cas, n'hésitez pas à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Snapchat, Twitter et Instagram. Et donc, comme je vous ai dit, sur ce, je vous dis à lundi pour l'épisode 31.